te batata ba mama oyo mwana na bino mwana mboka Arnold Marcelo Bassa na TV du peuple RD Congo en direct de Kinshasa na pesi bino mbote pe na bengi bino nyonso désormais bolanda télévision oyo na YouTube pona bozala informé na ba information nyonso ezo touché na politique ba information nyonso ezo touché na économie ya mboka ba information nyonso ezo touché na ba domaine nyonso etali avancement ya mboka soki boza branché na télévision oyo boko rater ta information mon côté soki boza branché na télévision du peuple RD Congo boko rater ta information mon côté ezo leka oyo etali avancement ya mboka na biso mesdames mesdemoiselles et messieurs désormais suivez-nous en direct de TV RD Congo bolanda biso wana pour pouvoir être informé de toutes les informations touchant la vie politique, vous serez informé de tous les domaines qui permettront notre pays d'avancer sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel et sur le plan politique avec votre humble serviteur Arnold Marcelo Bassa. Et ça, facile pour nous abonner. Suivez-nous tous les jours, tous les matins, toutes les heures sur TV RD. TV du peuple RD Congo. Nos contacts sont si simples. Plus 243. 81 731 65 69. C'est le numéro WhatsApp. À chaque fois que vous nous appelez, vous nous écrivez, nous serions en mesure de répondre à vos appels. Nous serons en mesure de descendre partout où vous nous inviterez pour pouvoir discuter, pour pouvoir apporter des éclaircissements sur certaines questions qui vous embrillent et amener aussi vos doléances à certaines autorités pour pouvoir analyser et trouver des solutions à la miable. Je vous remercie. Batata, bamama, bilenge, mbote, na pesi bino mbote, oyo, ezali, ndeko na bino, mwana na bino, yaya na bino, leki na bino, Arnold, Marcelo, Bassa, en direct de Kinshasa, na chaîne TV du peuple RD Congo. Désormais, na bengibino elongo bolanda chaîne oyo yasika chaîne oyo eko informer bino chaîne oyo eko pesa bino information na temps record eko pesa bino information na temps réel na domaine oyo etali politique domaine oyo etali ba rumeur sur le plan politique toko pesa bino ba sango malamu toko fouiner partout pour apporter des informations na banda kuna bino parfois beaucoup zala na makoki ya ko se déplacer parfois beaucoup zala na makoki ya ko kitate sur le terrain mais nous étant mwana na bino étant mowumbu na bino na ko kende partout pour pouvoir apporter toutes ces informations wana na banda kuna bino c'est votre frère c'est votre enfant, c'est votre petit. Donc, désormais, suivez-nous en direct sur la chaîne YouTube Oyo Ezali TV du peuple. Et au moment où vous nous suivrez, vous ne raterez donc aucune information, vous ne raterez donc aucun rumeur sur le plan touchant à la vie politique. C'est facile, yako zwabiso. Il suffit juste au côté na YouTube na yo, au taper TV du peuple RD Congo. Au Kotiwana, au s'abonner. La première des choses, c'est pouvoir d'abord s'abonner. Au s'abonner. Et en deuxième lieu, au KI, au activer clochette. Wana. Pona, au moment où nous sommes lancés d'informations, nous sommes sur la chaîne, nous sommes sur la paix informés de ça. Au raté d'informations, mon côté. C'est simple pour nous avoir sur c'est si facile. Beaucoup de choses, au plus 243 81 731 65 69. N'hésitez pas car vous serez informé. Autant record, vous serez informé de toute bonne information. Vous serez informé de tout rumeur. Vous serez informé de toute question qui suscite des controverses, de toute question qui suscite débat, de toute question qui suscite éclaircissement sur le plan politique. Nous n'hésiterons pas à vous informer. Nous n'hésiterons pas à apporter des solutions à vos questions, nous n'hésiterons pas à apporter des réponses à vos questions, nous n'hésiterons pas à... je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon caméraman, au nom de Joseph Ntumba, Ba Landai. Yemoutou, tozo, kitane na ba terrain, yemoutou, tozo sala,
déroulement ya makambunya so ensemble na ye ye mutu tozo kita partout pour aller chercher des informations pour nabino TV du peuple RD Congo toujours ndenge tomesana yako meme la bino ba information toujours ndenge tomesana yako fouiner partout pour apporter des bonnes informations naba ndaku nabino tozo comprendre te ils ont leké la biso tellement que Senko na représentant na bango abé chole il se permet yako kendeti na prison makala pour aller voir monsieur Vital Kamerhe et leké le biso on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à la tête du pays, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à la Senko. Or Senko wana bango moko wana bazala qui contre monsieur Vital Kamerhe au moment où ba rimer et bima qui concernait les 15 millions détournés par monsieur Vital Kamerhe. Bango wana ba telemela ki Kamerhe. Bango wana ba sala ki ba marche partout, ba kita ki sur le terrain, ba kota ki na ba ri na banzela, ils ont parlé, ils ont fait tout pour la justice et kota li kambwa 15 millions. Mais la chose qui nous étonne aujourd'hui, ce même Senko se permet de déléguer ses avocats pour na ba kende ko samba. Na likambo tali monsieur Kamerhe au moment où on a détourné 46 millions. Waouh! Mais c'est du waouh! 46 millions. Entre-temps que le peuple souffre, entre-temps que monsieur Félix Antoine Tshisekedi a instauré l'état de droit au pays, entre-temps que monsieur Félix Antoine Tshisekedi a lutté pour que mboka na biso ezonga sur le droit chemin, a lutté pour dans conditions sociales ya peuple ezala assuré. Mais au même moment il y a des individus qui se permettent de détourner le fonds de l'État. Mais c'est une chose que nous ne pouvons pas, nous n'acceptons pas facilement comme ça. Et en dehors de M. Chole, il y a M. Mwilanja, Némi Mwilanja, le coordonnateur de l'FCC, qui s'est aussi permis d'aller visiter M. Kamerhe. Et selon les informations que nous avons reçues, nous avons des sources fiables. Nous sommes informés par des sources fiables. Des sources qui proviennent directement de la présidence. Et M. Némi Mwilanja se permet, en complicité avec leur M. Kabila, de descendre jusque là-bas, à la prison centrale de Makala, pour aller voir M. Vital Kamerhe. Pourquoi? Pour causer avec lui. Ils sont prêts à donner les 46 millions à M. Vital Kamerhe. Que M. Vital Kamerhe puisse remettre les 46 millions enfin que M. Kamerhe soit acquitté. Or, c'est pas ça, la loi ne dit pas ça. Même s'ils font cela, ils savent très bien que M. Félix Antoine Tshisekedi a instauré un état de droit. À Taba Zong, ici, les 46 millions, là, la justice pourra faire son travail. Il pourra peiner en prison, même si les nombres d'années seront réduites. Mais, à cause de la kakana prison, pour pouvoir payer de ce qu'il fait, le peuple souffre. Le peuple souffre partout à Tokinaba Kinkole. On a fait des descentes partout. Nous voyons comment le peuple souffre. Mais M. Vital Kamerhe se permet. Il y a qu'au détourner Mbongwana. Et en complicité avec l'FCC aujourd'hui, il y a un bazon qui pour que M. Vital Kamerhe azala libéré. Et te comprendre la chose. Et te comprendre en facilement. C'est facile à comprendre. Pourquoi M. Kamerhe, bazo lité pour Nababi Misaye. Pourquoi Kabila a compris. La seule personne au Azalek qui canal, hein? un canal frauduleux au sein de la présidence, c'était M. Vital Kamerhe. Pour pouvoir, il y a qu'au bimsa information et à présidence. Pendant Kokotisa, Makamama B, Kokotia Liwan à présidence. Alors, la chose étonnante, Tozo s'étonnait l'élo. Et que, Bandam, M. Kamerhe, Vital Kamerhe, Azan à prison. Il y a eu combien de morts à la présidence? Famille, il y a président, parce qu'il fallait sous-souter. Mais ce qui te zongi dans le passé, au moment où M. Vital Kamerhe était directeur des cabinets du président de la République, combien y a eu de morts à la présidence? Combien y a eu de morts à la présidence? Batou belé combien ba koufi? Combien de familles? Bane belé batikali ba orphelin de père? Combien bane belé ba zo souffrir l'élo à cause de ce type-là de M. Vital Kamerhe? En complicité na Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent encore babi misaye pour naba sangana ensemble. Avec M. Kabila, Basangana ensemble, na Senko pour nous quoi et sa fachi.
Or c'est Fatim Tazo Mema éveil ya mboka oyo. C'est Fatim Tazo Azo Mema mboka oyo na apogée. Or c'est Fatim Tazo longula mboka oyo na kata misère. Pona mema biso na niveau oyo peuple akoki ko respirer. Oh peuple akoki ko se retrouver facilement, mais ils ne veulent pas de ça. Et biso étant peuple, biso étant bana mboka, tozo tiela bango libaya. Biso étant bana mboka, biso étant peuple, nous devons faire de tout nos moyens, de tous les efforts pour pouvoir stopper barbarie wana, pour pouvoir stopper manœuvre frauduleuse nyonso wana bazo sala. Et toza sire que toza biso moko toza le mot na peuple et biso TV du peuple RD Congo toza prêt ya ko dénoncer makambo wana nyonso pour na toujours soutenir Fati na ba bonne œuvre na ye, toujours soutenir Fati na musala malamu oyo azo sala.